Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, un sujet sur le don du sang qui sera suivi de notre agenda interreligieux. Le sang est une denrée précieuse qui peut sauver des vies et chaque année, il en faut beaucoup. Pour inciter les personnes à venir donner leur sang, l'amicale des donneurs de sang d'Oberhofen-sur-Moder a trouvé une idée assez originale. On regarde. À Oberhofen-sur-Moder, près d'Haguenau, un événement important se prépare. Demain, le village accueille une collecte de l'établissement français du sang. Dans la salle des fêtes, on la tourne. Ces deux retraités disposent les tables où les donneurs pourront reprendre des forces. Maintenant, on fait une rangée jusque là-bas. Là, pour cette collecte, on prévoit à peu près entre 90 et 100 donneurs. Donc, il ne faut jamais être tous là en même temps, vous voyez. Mais il faut quand même essayer d'avoir assez de place. S'il y en a deux ou trois qui veulent se mettre ensemble pour qu'ils puissent se mettre ensemble, voilà. C'est le but recherché pour la convivialité, on va dire. Tous les deux sont membres de l'amicale qui gère les coulisses de la collecte. Je pense que je suis redevable, oui. Du taux du sang que j'ai eu, donc je compense ça par, comme je ne peux plus en donner. De toute façon, je serai bientôt atteint aussi par l'âge limite, mais je me rends donc utile pour encourager les gens à donner leur sang. C'est important quand même, voilà, ça permet de sauver des vies, et donc je pense que c'est un geste important. Je retourne, j'ai oublié le lait. À quelques pas de là, Danielle, la présidente de l'amicale, effectue les dernières courses avant le jour J. Du vin blanc pour la sauce. Demain, au donneur, les bénévoles serviront des fleischnecke et des galettes de pommes. C'est notre choix de faire un repas parce que certaines associations proposent des sandwichs et des choses comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, même un sandwich, il faut y mettre le prix. Et souvent, un repas n'est pas beaucoup, beaucoup plus cher que si on propose un sandwich de qualité. Là, c'est le litre à 5,10 €. Et là, il est à 4 et quelques. À chaque fois, le budget est conditionné. Le FS donne 3 € par donneur présent. Mais comme on ne sait jamais combien on va avoir de donneurs, il faut qu'on gère quand même relativement large. Total, 92 €. Si on table sur 100 donneurs, on va avoir 300 €. Là, j'en avais pour 90 et hier, on en avait à peu près pour 220 déjà, ou 230. Donc on va dépasser, mais c'est pas grave. On le sait. La sagesse de Danielle n'est pas anodine. Avec les 12 autres bénévoles de l'amicale, elle développe toutes sortes d'actions pour financer de bons repas. Stand au marché de Noël, set sponsorisé, ou encore calendrier illustré par les enfants du coin. Un engagement qu'elle mène depuis 10 ans. Dans la commune, il restait une vingtaine de donneurs qui donnaient. Et un jour, à une collecte, le médecin et la secrétaire nous a rendus attentifs à tour de rôle et disaient qu'ils ne pourraient plus se déplacer pour juste 20 donneurs. Et que dans les communes où il y a des amicales, les communes, enfin, il y a plus de donneurs. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais bientôt être à la retraite, pourquoi pas donner un coup de main 5 fois par an. Pour cette ancienne aide-soignante, le coup de main était évident. Comme je travaillais en milieu hospitalier, j'étais confrontée quand même aux besoins de sang, aux gens malades. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de sang qui est utilisé, ne serait-ce que pour faire des médicaments. Je veux dire, on parle souvent de transfusion, mais il y a tellement de débouchés avec le sang qu'il en faut effectivement beaucoup. Jour J, 8h20. Allez, zou. À tout à l'heure. Danielle s'installe. Dans les starting blocks. Direction la salle des fêtes. Elle retrouve ses premières commis. Tiens. Les couteaux et les poubelles. Attends. Et qu'est-ce que t'as encore dit qu'il fallait de la cave ? Des sacs poubelles. Pour Danielle, c'est effectivement le début d'un sprint marathon. Au début, jusqu'à ce que tout soit en route. Après, ça va. Bah, il faut penser à tout. Il faut commencer à s'organiser correctement. Chercher le matériel, ce qu'il faut, pour ne pas avoir à courir 36 000 fois. Et puis voir aussi comment on s'organise par rapport à ce qu'on fait à manger. Première grosse mission en cuisine,
préparer les pommes pour les galettes. Donc il y a Huguette qui était cuisinière, il y a Christine qui a aussi travaillé dans une cuisine, et Sonia qui a travaillé dans une pâtisserie. Donc tout le monde a déjà mis un peu la main dans la pâte. Dans 3 heures, la collecte commence. En cuisine, le rythme s'accélère. Place à la cuisson des Fleischnecke et des 360 galettes de pommes. Tu peux goûter. C'est bon. Une première réussie. C'est un petit peu notre image, voilà. Donc on essaie de choisir chaque fois un autre menu. Et donc ce sera la 49e collecte aujourd'hui. Donc 49 menus différents. 16h30, l'équipe de l'EFS arrive. 17h, après leur don du sang, les premiers venus passent à table. Une petite salade avec encore. Oui. Vous voulez du pain aussi ? L'équipe des bénévoles est au complet. Le métier de serveur, c'est pas évident. Hein. Moi, je suis sanitaire chauffagiste, donc c'est pas mon métier, mais voilà. On court. Daniel a à peine donné son sang qu'elle retourne en cuisine pour repréparer des galettes. Et là, ça commence à devenir difficile. Juste pour penser après le reste. Et voilà. Demain, ça ira, mais il n'y a pas de souci. Les donneurs apprécient cet effort collectif. Ça m'est arrivé, oui, d'avoir un sandwich ou des boîtes de conserve, trucs à tartiner ou des petites salades en conserve. Voilà, ici, c'est vraiment cuisiner sur place, c'est beaucoup plus agréable. C'est vraiment fait avec amour, je dirais, parce que c'est des plats qu'on, ou des goûts qu'on ressent, qu'on a mangé chez nos parents. Ça donne une motivation en plus pour venir, quoi. Alors, on est à combien, mesdames ? 19h30, premier décompte. Avec la dame, je pense 85. 85. Qui vient de monter. 86. D'accord, ben, c'est bien. Voilà, merci beaucoup. Vous voulez 90 ? On aurait voulu 100. Petite déception pour Daniel. L'association va devoir puiser dans ses réserves pour rentrer dans ses frais. Moi, j'avais l'impression qu'il y en avait plus. C'est parce que c'était tout le temps. Oui, c'était fluide, oui. Parce que des fois, il y a des rushs et aujourd'hui, c'était vraiment fluide. Donc voilà. Mais c'est bon, c'est toujours ça de prix. Pour l'EFS, c'est une bonne soirée. En Alsace, l'organisme s'appuie sur près de 150 amicales. Et nous, on a beaucoup de chance ici, en région Grand Est, d'avoir beaucoup d'amicales. Dans d'autres régions de France, il n'y a pas forcément d'amicales. Quand j'ai débuté, il n'y avait pas d'amicales ici au début. Voilà, il y avait à peu près une trentaine, quarantaine de donneurs. On se retrouve à peu près presque à une centaine de donneurs ici. Donc l'amicale, comme dit, participe énormément au recrutement des donneurs. 20h. Le 88e et dernier donneur s'en va. Les bénévoles peuvent à leur tour se restaurer. Et Daniel, souffler. Tout s'est bien passé. Il y a quand même une responsabilité. Et même si on est tous bénévoles, mais s'il y a un couac quelque part, c'est quand même pour moi. Bon appétit. Lors de la prochaine collecte, l'amicale soufflera ses 10 bougies. Un menu de fête est déjà prévu. Bœuf braisé aux légumes et en dessert, tarte à la rhubarbe. Eh bien, ça met l'eau à la bouche, donc n'hésitez pas à créer aussi votre amicale dans votre village et vous voyez qu'en plus, ça peut être très convivial. Je vous propose maintenant de passer à notre agenda interreligieux. La communauté catholique fête la Sainte Trinité le dimanche 4 juin. Une manière d'honorer la confession de Dieu en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce même dimanche, la communauté orthodoxe fête la Pentecôte. La communauté catholique fête le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ le dimanche 11 juin, fête plus connue sous le nom de la Fête Dieu. Dans de nombreuses paroisses, des processions sont organisées dans les rues, le prêtre portant une hostie consacrée. Ce même dimanche, en lien avec cette fête, les catholiques du doyenné de Colmar proposent un événement inédit intitulé « Catho en fête », une manière de vivre autrement cette fête qui commencera par une messe suivie d'un pique-nique géant. Dans l'après-midi, des stands d'animation feront découvrir les groupes et les activités de la paroisse. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt.